Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça se passe à quel moment dans le film? Maintenant. Ce que vous voyez, c'est maintenant. Tout ce qui se passe maintenant est en train de se passer maintenant. Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Et ce qui s'est passé avant? On l'a passé. Quand? À l'instant. Et ce qu'on voit maintenant, c'est maintenant. Alors, repassez-le. Quoi? Maintenant. 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 Je peux pas. Pourquoi? Il est déjà passé. Quand? Juste maintenant. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que j'allais leur demander les méthodes pour le clash de la drague de ce soir, tu vois. Voilà, bah, il va falloir attendre 5 minutes là. Pourquoi? Parce que t'as trop de méthodes, tu sais pas quoi choisir. C'est, pas ça prêt, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Cédric, t'as trop de méthodes toi aussi. Ouais, moi j'ai ma méthode, t'inquiète. Ah, t'as déjà choisi. Ouais. Très bien. Le choix est déjà fait. Bon, merci Camille, raccroche pas, t-shirt Skyrock à la maison. C'est quoi ta méthode, Cédric? Dis-nous tout, fais-nous rêver. Moi, c'est la méthode de la grève. La méthode de la grève. Ton sexe est en grève. Non, pas mon sexe, mais la meuf avec qui je suis a fait la grève de la baisse. Donc ce soir, je vais aller chercher une femme pour faire l'amour, quoi. Pas mal. En tout cas, c'est dans l'actu, c'est bien. Faut toujours profiter de l'actu pour draguer. Ils nous ont montré ça, les deux clasheurs, hein, Romano. Ouais. Bah, bien, Cédric. Alors, ta méthode, Romano. Bon, ça y est, je l'ai. Bon, je viens d'arrêter de fumer. Ah, c'est la journée sans tabac, c'était hier. Non, c'était hier, ouais. Aujourd'hui, non, mais c'est la journée des juin, 1er juin. Bon, de toute façon, il y a. Mais non, Marie. Non, mais hier, la journée sans tabac. Ouais, c'était la journée mondiale sans tabac, ouais. Ah, bah tiens. Je l'ai bien fêté. On va bien savoir ça doit être vachement respecté comme journée. Ah, oui, là. Mon Dieu. Regarde dans l'équipe. Grave. Et donc, je ne tiens plus pour passer mon envie de fumer, il faut que je baise. Eh, mais ça, c'est normal. C'est ça, ouais. Il faut que je compense avec. En que temps, quoi. Et est-ce que tu vas faire fumer, attention. Tacadam. Est-ce que tu vas faire fumer la pipe à la famille? Fumer. Bah, évidemment. Évidemment. Bah, peut-être même mon petit cigare, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, t'as un petit cigare. Bah, moi, j'ai. Tu sais, ces petits cigares, les cigarios. Un cigarios. T'as un cigarios. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Bon, on y va? J'ai pas un barreau de chaise, quoi. Vous êtes prêts pour le clash? Bah, ouais, vas-y, on peut y aller. Cédric, c'est bon? On y va, c'est parti. Jingle. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Voilà, ils sont là, c'est les deux meilleurs séducteurs au monde. Et c'est parti. Faut allez, on y message, va. D'ailleurs, pour les encourager. Pour les votes, c'est après. J'en vois déjà qui votent. J'espère que je vais finir par en gagner un quand même. Bah, t'en as gagné la semaine dernière. Ouais, non, mais bon, un sur 4, c'est quand même pas des stats de ouf. Mais non, sur 3. C'est non. Pas joli-joli, quoi. Non, c'est pas joli-joli, mes stats sont complètement foireux. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, Cédric. On va chez qui? À toi. Chez Christian. T'as vu la team Romano? La team Romano vous appelle à la rescousse. Ah ouais, j'ai besoin de vous. Allô. Allô, Christian. Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? Ouais, mais c'est qui? Bah, c'est Michel au téléphone. Tu peux éteindre la télé derrière, je t'entends mal. Michel. Ouais, je t'appelais parce que j'ai ma femme, là, fait la grève du sexe. Et du coup, je voulais venir voir ta femme, savoir si vous pouvez pas me dépanner pour ce soir. C'est qui, là? Bah, je t'ai dit, c'est Michel le beau gosse. Ouais, mais je vois pas. Bah, je connais un peu ta femme, hein. Allô? Ah bon, je vais te la passer. Ouais, tiens, passe-la moi. Merci. Gentil. Ouais, elle est cool, ouais. Bien. Elle passe le sac du mari, c'est pas mal. Okay. Pas mal. Allô? Allô, oui, bonsoir, comment vas-tu, ma chérie? Oui, c'est qui? Ben, c'est Michel au téléphone, Michel le beau gosse. Michel le beau gosse? Ouais. Oh, j'en connais plein, les beaux gosses. Eh ben, c'est Michel, j'habite juste à côté de chez toi. Je t'appelais soir. Ouais, je t'appelais soir parce que j'ai ma femme, elle fait la grève, là, ce soir et demain, là, du sexe. Oh merde. Donc merde. Du coup, je suis un peu en galère, quoi. Oh, pauvre gars. Donc ce soir, je vais venir à la maison, savoir si je pouvais pas te faire l'amour. Ouais, bah bien sûr. Ah bah génial. Enfin. Eh ben écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5-10 minutes. Ouais. Je vais acheter des capotes et puis bah, je vais te faire l'amour toute la nuit, toi. Super. Allez, à tout à l'heure. Chante tes chaudes, toi, ma chérie. Allez. Je vais lui faire l'amour. Allez, voilà. À tout à l'heure. Et voilà, à rendez-vous. Bon, elle avait un ton qui correspondait pas à ce qu'elle disait. C'est fou, ça. Oh, t'as pas demandé ton avis. Ah non, mais je réagissais en live comme ça pour m'exprimer, radio libre. Ouais, hein, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Hein. Vous êtes toujours là, la famille? Allô? Elle a raccroché. Non, elle a raccroché, mais elle a mal raccroché. Ouais, bah oui, elle a raccroché. Je sais pas, elle disait des trucs genre oui, et t'as l'impression qu'elle dit. Ah, parce qu'il y avait le mari derrière, elle était mal à l'aise, mais t'inquiète. Elle était mal à l'aise. Je t'ai dit, moi. Très bien. Bon, bah bien joué pour premier serrage, c'était sympa, elle était gentille, la dame. Il est confiant. Elle était contente, et on va passer maintenant à toi, Romain. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, comme tu le dis. C'est parti, mon Gigi, on y va. C'est parti. On y va, et on va chez Michel, tiens, tu vois. Michel pour. Ton serrage spécial. Bah soir, j'espère. Parce que tu as choisi la méthode magnifique de. Bah j'ai arrêté de fumer. J'ai du mal à supporter. Il faut que je baise. Et ouais, faut compenser. Il y en a qui bouffent quand ils fument. Toi, quand ils arrêtent de fumer, ouais. Il y en a, ils prennent. Quand ils arrêtent de fumer. Ah là, ils prennent 20 kilos. Et ouais. Cédric, t'as arrêté de fumer? Ah ouais. J'avais fumé moi. T'imagines pas fumer d'ailleurs. Allô. Guillaume. Oui, c'est qui? Oui, c'est Guillaume. Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Louis à l'appareil. Comment vas-tu? Jean-Louis? Ouais, Jean-Louis, un copain de ta femme. Elle est là... désolé, ça doit être une erreur là. Ah, t'as pas de femme?
Ouais. Eh ben oui. Eh, ça te dirait pas ce soir d'essayer avec un mec? Parce qu'en fait, je t'explique. Salut. Non, bah, reste un peu. Allez, pas de chance, pas de chance. La merde. C'est vrai. Deuxième tour. Bah, en plus, il aurait dû accepter ton proposition, ouais, le mec est tout seul. Attends, justement, je vais lui proposer de l'enculer gentiment. Ce qui est plutôt sympathique. Bah, attends, moi je suis rendu service. Allez, on va chez qui? Allez, deuxième tour pour toi, Cédric. Alain. Alain. Go chez Alain. Moi j'ai déjà une invitation, tranquille. Il est peinard. Pépère. Allô, Alain. Allô. Bien. Allô, Alain. Allô. Ouais, bonsoir Alain, comment vas-tu? Il y a un problème de téléphone. Mais... Allô. Ouais. Ouais, faut parler dans le téléphone, Alain. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je t'appelais parce que j'ai un petit problème là. Ouais. Ouais, ma femme a fait la grève du sexe ce soir, je voulais savoir. Ta femme, elle pourrait pas me dépanner éventuellement pour cette nuit? Et qui au téléphone déjà? C'est Michel. Michel le beau gosse. Hein? Michel le beau gosse. Ah, je connais un peu ta femme, je la croise des fois. Allô? Oui, je t'écoute. Ouais, donc du coup, je peux venir me taper ta femme ce soir? Bah, déjà, je veux savoir qui c'est. Bah, je viens de te dire, c'est Michel. 1m78, brun, beau gosse, plutôt musclé, bien membré. Ah bah putain. Allô? Il a raccroché. Ah non, pardon. Ouais, donc c'est bon? Ouais, je connais pas. Ouais, bah écoute, ta femme, elle me connaît un petit peu, hein, t'inquiète. À la limite, je viens à la maison, comme ça on fera connaissance, si tu veux. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je voudrais te faire l'amour, ma chérie. Parce que ma femme, ce soir, elle veut pas me faire l'amour, elle fait la grève. Et vous avez que ça à faire, et à 10h15, vous dérangez des gens comme ça? Bah, je te dérange pas, ma chérie, je vais te donner du plaisir toute la nuit. C'est plutôt pour t'arranger, hein. Ouais. Ça te dirait de faire une nuit de folie, ce soir? Je peux te dire que je vais te faire monter au 7e ciel, ma chérie. Allô? Elle est déjà montée au 7e ciel, là, je crois. Ouais, mais elle était montée trop. Chérie? Je crois qu'elle est montée au 8e. Je crois qu'elle est montée trop vite. Je crois qu'elle est au 8e, voire au 9e. Allô? Allô? Non. Bah, parle! Ça veut plus, ça veut plus. Bah, ça sert à rien de secouer ton micro, Cédric. Putain. Tu vas le casser. Ça sert à rien. Bon, bah, merci, voilà. Cédric. Merci, la famille. Fais chier. Elle était sympa. Ah, pourtant, t'avais réussi à passer le barrage de l'homme une nouvelle fois. Malheureusement, le barrage de la femme a été plus fort que tout. Ah ouais. Désolé, Romano. Elle a rien lâché, la bonne femme. Deuxième tour. Ouais, elle voulait pas lâcher, elle. Non, non, bah ça je confirme, elle a rien lâché du tout. Et deuxième coup de fil. Les bruitages étaient plus drôles que l'appel du Belge. C'est dire la détresse. Je crois qu'il fait partie de la team Romano. Patrice. C'est qui? Jules. Salut à toi, Jules. Ah bah. Salut, mon Jules. Il est dans ta team, Jules. Ouais. Salut, Jules. C'est Jules, c'est notre facteur. Ah, c'est le porciné. Allô? Allô? Patrice! Bon, vas-y, c'est. Il a pas parlé, t'as de la chance. Ouais. Franchement, t'as de la chatte, il a pas dit allô. Oh bah, j'ai de la chatte, bah écoute, si tu veux, je te file mes numéros. Il avait pas, mais s'il avait dit allô, t'aurais été baisé, espèce de con. En plus, t'avais même pas le prénom, dis donc. Eh ouais, ça. Alors. C'est qui là? Ah, c'est Michel. Michel, tu retiens bien, c'est le prénom. Ouais, mais il faut parler plus fort, monsieur Samy. Ah bah, excuse-moi, mets ton sonotone aussi. Enfin, bon, tiens, c'est déjà à donf. Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme à Michel? Oui. Oui, il est là, Michou? Oui. Je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Michou. Ça l'a fait bizarre quand tu l'as appelé Michou. Oui, j'ai cru que ça allait raccrocher. Moi aussi, je me suis dit, t'aurais pas dû l'appeler Michou. J'aurais dû. Bon, toi aussi, tu passes le barrage de la femme, ce qui est pas mal. On attend. Attends, putain, mais Michel. Attends, Michel. Michel? Oui. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, je suis encore gâté. C'est bien ce que j'avais dit. Michel, tu m'entends? Vous êtes qui? C'est Jean-Louis, là, à l'appareil. Dis voir, je vais arriver dans 5-10 minutes chez toi, là. C'était pour te prévenir. Michel. C'est quoi cette plaisanterie? Non, mais en fait, je t'explique. Je viens d'arrêter de fumer, là, depuis quelques jours. Là, ce soir, ça va pas du tout. Je suis en manque grave. Et je pense qu'il faudrait que je compense en faisant l'amour. Et je pense que ta femme, ce soir, me rendra service. Non, je pense pas. Non, mais en même temps, bon. Bon, il nous faut un vrai serrage. Putain, je suis gâté, putain, sur les familles. T'inquiète, il y a un troisième tour. Si, je m'inquiète un peu, quand même. Nous lançons le troisième tour. Opération serrage. Parce que bon, putain, Cédric... moi, j'ai des familles de dépressifs, quoi. T'as été invité, Cédric. Romano, il est tombé chez famille Valium. Elle était sympa. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sympa, ouais. Valium, et juste avant, c'était l'Exomil, donc. Non, c'était Temesta. Ah, la totale, en fait. C'est famille Temesta, quand même. C'est sympa. Alors, c'est quoi, c'est la prochaine? Ça, c'est des médicaments pour la tête, non? Temesta. C'est des calmants, des antidépresseurs. Ah, clairement, ouais. Donnez-moi mes calmants. Alors, Samy, allez, on fait les deux derniers. C'est parti. Dernière ligne droite dans le clash de ce soir. Mathieu. Mathieu. Tu connais la chanson, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu? Ouais,
Ouais, ouais, Eric, il y a un cheveu sur la tête à Mathieu. Ah, tu connais. Avec une dent. Tu la chantes, avec non une dent. Quand t'es dans la salle de bain devant ta glace et que tu dois, non. Non, c'est non, parce que je ne m'appelle pas Mathieu. C'est vrai, c'est con. Tu le sais, c'est bien. C'est vrai, c'est con, c'est dommage. Ouais, ouais. Bon, vous entendez sonner, c'est pour Cédric. À toi, Cédric. Dernier tour, hein. Vas-y, ouais, ouais, t'inquiète. C'est là que ça donne tout, là. J'ai dragué une meuf, je me suis pris une baffe cet après-midi. Allô. Bah écoute, salut à toi, Mick. Allô, allô. Sur SMS. Bonjour, Mick. Allô, Mathieu. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu, ma poule? C'est qui? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Eh ben. Je t'appelais parce que ce soir, je suis un petit peu en galère, là. J'ai ma femme a fait la grève du sexe. Donc, du coup, pendant deux jours, elle m'a dit qu'elle me ferait rien. Donc, je voulais voir si ta femme, elle était dispo. J'ai même ma mère, si tu veux. Ah, bah, écoute, ouais, si tu veux, si ça te dérange pas, hein. Moi, je peux dépanner, hein, tu sais. Si je peux te dépanner pour ta mère, y a pas de souci, hein. Eh ben écoute, vas-y, passe. Eh ben nickel, je vais acheter deux trois capotes et puis j'arrive, je me tape ta mère et ta femme. Allez, vas-y, à tout de suite. Eh ben à tout de suite, mon pote, merci, hein. T'as un mec sympa, soirée. Toi. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée, toi aussi, alors. Génial, eh ben à tout de suite. Ben voilà, tu vois, Cédric, voilà. Une maman. Une dame. Une meuf. Lui, il avait oublié d'offrir un cadeau à la fête des mères. Ah ben voilà, et s'est rattrapé. T'as vu le beau cadeau, Romain? Ah bah, tu n'as pas offert de cadeau à la fête des mères. C'était peut-être une bonne idée. Ouais, bah tiens, j'y pensais, ouais. Et Cédric, il est pas dégoûté, normal, il prend la mère. Bah ouais, tranquille. Ça m'a choqué de baiser les mères. Marie, t'es parle pas de la mère. Regarde, parle pas de la mère, nous disent Ouir. Bah non, Marie, c'est bien une daronne, je la baise. Ah non, tu me baisses pas. Ah si, je te baise. Je te rassure. Je te baise dans tous les sens. Aucune chance. Tu te rassures, Marie. Dans tous les sens, en plus. Normal. Ah, comme c'était beau. Allez, toi, Romano. Alors, dernier coup de fil. T'as vu, il faut parfois attendre le dernier coup de fil. Ah, c'est bon. Ah, attends, tu vas voir. La famille suffit, c'est toi aussi. Ah, bah, tu vois. Oui. Allô, Marc. Oui, c'est la femme à Marc. Oui, qui c'est? Eh, ben, c'est un copain de Marc. C'est Jean-Louis. Bah, je croyais que c'était François. Non, bah, je me suis trompé de prénom, je suis bourré. Bah oui, écoute, c'est l'alcoolisme, si tu veux. Des fois, je m'appelle Jean-Louis, François. Jean-Louis Bellamy. Eh ben, Jean-Louis Bellamy, exactement, c'est lui-même. Bah oui, mais François, c'était qui? François Mitterrand. Oh, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, écoute, je suis en train de boire et j'aurais voulu parler au pépère. Ouais. Tu me le passes? Bah, il est au water. Ah, il est au water. Il a la colique? Bah. Ça arrive, hein, tu sais. Ah bon, avec le temps qu'il fait et tout ça, on tombe malade. Mais ça raccrochait tout à l'heure. Bah oui, mais j'ai eu un petit problème de téléphone portable. Bah il dormait de toute façon. Ah bah oui, ah bah il a pas chié dans le lit quand même. Il a chié dans le lit. Oui. Ah bah tiens. Ah ouais, il a chié dans le lit. Il a chié dans le lit. Ah bah merde. Ah ça c'est emmerdant. Toi t'as toutes les chances, tu tombes sur un mec qui chie dans son lit. Bon ben. Ah au moins ça glisse à l'intérieur. Comment il s'appelle déjà lui? Il s'appelle comment, ouais? Marc. Je l'appelle Pépère. Il est là le Marc? Non, il est pas prêt. Ah, il est pas prêt? Non, mais passe-nous dans aux toilettes, c'est pas grave. Bah, sinon, ouais, c'est un téléphone sans fil. Bah, oui, mais c'est le fichier, quoi. Ah, bah, ça, c'est le fichier, c'est le cas de le dire. Il est aux toilettes, c'est logique, hein. Yeah, oui, oui. Il a quoi? Il a la courante ou elle est dure? Plouf. Elle est dure, bon, c'est bien. C'est bien. Vas-y, envoie-le. Je vais passer à la baraque ce soir, là. Il est pas content, hein. Il est pas content. Je vais passer à la baraque ce soir, là, je vous dis. T'as pas entendu. Elle allô. Ouais, ah. Marc. En train de chier. Alors, la crotte au cul? Ben oui, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je raconte, c'est Jean-Louis Bellamy. M'a reconnu? Non. Ah bah alors, ta femme elle m'a reconnu tout de suite. Bah oui. Alors bon, ça se passe bien aux toilettes là? L'évacuation est parfaite? Non mais vous êtes, comment vous appelez exactement votre nom? Jean-Louis Bellamy. Non. Si, ah si. Non. Bah si. Parce que là je voulais te dire, je passe dans 5-10 minutes là. Non, bah vous passez pas du tout. Ah si si, je passe, mais toi non. Tu... Non. Si, bah tu restes aux toilettes et moi je m'occupe un peu de non, ta femme. Non, je vous dis, je passais pas. Ah bah je passerai, et c'est tout Marc. Non bah dis donc. Eh bien écoutez, magnifique. T'as dit non. Mais non, mais t'es en train de chier. Tu vas être énervé. Une crise de l'air dans ces toilettes. Non. Eh, tu sais, on nous dit pour le caca, votez Romano sur SMS. Quel rapport? Bah je sais pas, si t'aimes le caca, t'es en train de chier, Cédric, t'as compris? Ouais bah oui. C'est le mec qui avait chié dans son lit juste avant. Ouais mais y'a pas de serrage. Ah ouais, c'est vrai, mais bon. Non, mais bon, c'est là, vrai. Tu précises pas qu'il n'y a pas de serrage. Temps, bon, avec les familles que j'ai eues. Si, avec les familles que j'ai eues ce soir encore. Oh, c'est génial. Ah, bah, effectivement, j'ai été extrêmement gâté. Franchement, les deux premières. Ah, franchement, lui, c'est bien, lui. D'ailleurs, les deux premières, je vais te donner un conseil. Mets-les de côté. Et si on a une connerie à faire au téléphone, on pourra les rappeler. Je pense que ça sera extrêmement drôle avec eux. Ah, putain. Ah, mais que tu te plains, en fait. Bah, ouais, je me plains, ouais. Évidemment, je me plains. Alors, on passe au vote maintenant. Il est l'heure. Il est quoi? 22h23. Romano. Ah, ouais, c'est.
Non. Je vois que tu mets en pratique le conseil que tu as donné, l'arrêtage de fumée. C'est reparti là. Ah mais je fume pas des cigarettes moi. Non, j'ai bu. Tu fumes quoi alors? Des fumigènes. Fume des fumigènes, c'est pour l'euro. On est en train de se préparer. Okay. Là, je me mets en position là. Alors c'est si jamais la team caca du coup. Bah la team caca c'est Romano. Ah la team caca. Ah il y a qui vote pour la team caca. La team caca ce soir, t'étais en train de chier dans un. Cédric, tu vas pas voter pour Romano parce qu'il a parlé de caca. Ah non, certainement pas, non, jamais de la vie. Même si tu nous le dis souvent. Le caca c'est bon. Et ouais, voilà. Monsieur, ah, attention ah, oui Cédric, ne te laisse pas aller. Romano, merci, merci Cédric en tout cas. C'est bon, gentil. Ce soir ma team, moi j'ai allez, fait un serrage. Allez-y. Tranquille, Christian, j'ai serré sa femme. Mm. Petit serrage vite fait. Et après Mathieu, je vais niquer sa mère et sa femme. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est eux dérissés. Moi je vous aime très fort et je sens que ce soir on peut gagner. On peut lui mettre une belle branlée ce soir, ma team le belge. Ah. C'est quoi, comme lundi, Cédric est misérable 51%. Et toi Romano? C'est la victoire qui compte. Votez Romano, R-O-M-A-N-O, je compte sur vous mes amours. Team caca ce soir, on y va. Eh bien on y va tout de suite, 5 minutes pour voter. Allez, on vous laisse jusqu'à 10h30, il est 10h25. Ouais. Jusqu'à 10h30 pour voter, vous y allez. Sly Guy. Les résultats du clash de la drague à vous donner. Ah. Attention, attention, qui a gagné le clash bon, allez, vas-y, ce soir vas-y. Du coup, il a fait une drôle de tête là, vas-y. C'est peut-être en te regardant. Ah, non, il a regardé le résultat, il a fait une tête genre... Alors le clash arrive et je vous donne des résultats serrés ce soir. C'était serré lundi, 51-49, serré ce soir, 55-45. Oh. Qui a 45%? Qui a 55%? Vous êtes comme moi. Ah, franchement, vu les familles que j'ai eues, vous le demandez. Ça m'étonnerait fort que je gagne. Ce soir, je vous annonce donc la victoire de Cédric ou de Romano. Là, moi, j'ai fait un bête de serrage plus une invitation. Non, mais il était bien, moi j'ai bien aimé. À part les deux témestas de Romano au début, mais la famille qui faisait caca était super. Et d'ailleurs, c'était Marco. Comment il s'appelait d'ailleurs? Marc, ouais. Et c'est, tu vois, Marc et sa femme. Et c'est d'ailleurs peut-être grâce à eux que tu obtiens ce score de 45%. Putain, fait chier. Pardon, Romano, de 55%. Tu gagnes le clash de la drague. Ah, une tu crois pas? Non. Bah si. 55%. Ouais, c'est la team caca qui a fait la différence. La team caca. Mais c'est vrai que j'ai eu plein de messages team caca. Non, caca, caca. Caca. 55, ça y est, ils en veulent plus. Bah attends, mon pote, ça fait une semaine que j'ai pas gagné. Laisse pas profiter de ma joie. Bah ouais, c'est sympa. Eh bien, c'est bien parce que ça nous fait une victoire chacun depuis le début de la semaine. Vendredi, on fait la belle. Et j'ai envie. Ah ouais. Et qui sera la belle? Fais une belle photo ou un beau gif, Romano. Tu fais des dames. Fais une photo comme ça. Ouais, comme ça, avec tac, 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 tac. Attends, comment on fait? Là, c'est comme ça. Même HD, comme ça. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien, c'est... Tu regardes de l'autre côté. Bon, vous aurez la photo de Romano qui se prend pour MHD avec une coupe, la coupe du clasher. Merci pour tous les votes, vous avez beaucoup voté, c'est gentil. Merci la team Cédric. Merci ma team, ouais, la team le belge. Pas la team Cédric, c'est la team le belge. Merci la team Romano. Ne se trompez pas. Et la team caca ce soir, ah, Romano. Tu vois? Et Cédric, t'aurais pas dû dire. Le caca, c'est bon. Parce que tu as incité certains membres de ta team à voter. Non, mais putain, je méritais de gagner. Voilà. La team caca. Bon, c'est vrai qu'on a eu une démonstration avec l'autre qui était en train de chier, qui était magnifique. Ça sent bon. Magnifique. Excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller avec Romain. Il est autographe. Vous entendez pas depuis tout à l'heure. Romain, il est quoi? Il est chef du net? Il est quoi? Non, mais je photographe. Il est con, il est con. Quel est votre rôle? Je suis en stagiaire. Au sein de la société. Faites quoi ici? Je fais des photos, des vidéos et c'est. Mais non, parce qu'en fait, il me dit, ouais, fais. Et je lui dis pourquoi fait. Mais dis-moi quand tu veux me filmer, tu sais, je suis pas censé le savoir. Un coup c'est une photo, un coup c'est une vidéo, un coup star, c'est un gif. C'est bien les gifs. Tu veux un gif, Romano? Tiens, un gif dans le visage. Merci. Deux gifs. Moi j'adorais ton gif là. Tu fais le mouvement, ouais, je sais. Vas-y. Bon, les animaux.